celui-là, tu vas me rentrer dedans, tu vas me rentrer. Voilà, mais... En tout cas, si vous voyez ce vlog avec un vrai début, c'est que j'ai récupéré les plans. L'épaule est un peu bloquée. Allez, 9. T'as un câlin, papa? Pas en forme ce matin. Bah, j'ai récupéré ma voiture et le deuxième paquet, il est là, Monsieur Aten, qui a dormi dans son lit pour la première fois de sa vie. Et il s'est pas plus réveillé. Il était pas content quand on l'a mis hier soir, mais il s'est endormi et réveillé à 11h. Qu'est-ce que tu veux toi? Je sors de chez moi. Rien me klaxonne parce que je sors de chez moi. Calme-toi cousin. Donc réveillé à 11h, un biberon. Et après à 5h du matin, deuxième biberon. Et il est venu dans notre lit. C'est bien, bravo. Et il marche en plus. Je vais vous montrer ça. Il marche bien maintenant. Bon, je suis bientôt arrivé. Après 2 heures de route, j'arrive à Rouen. Donc la ville de naissance de PJ. Et pour un tournage en fait, pour une série qui s'appelle Oz. Et il voulait donc faire un tournage avec moi. Il voulait être coaché en musculation, faire une séance de muscu. Donc bah, c'est avec plaisir que j'y vais là. Je vais voir ce que ça donne. Je vous avoue que moi j'ai pas encore vu la série. J'ai vu le début, ça a l'air pas mal du tout. En plus c'est sur le thème, c'est un label de musique. Ouais, je pense que c'est un truc bien actuel, en tout cas ça a l'air d'être bon. Voilà, mais bien arrivé au Eric Favre Gym. Je savais même pas que c'était un club à Eric Favre. Donc on s'est déjà croisé quelques fois dans des salons. Et c'est la première fois que je discute avec lui. Super cool, super sympa, super souriant. Un grand homme d'affaires qui a passé 7 mois, il m'a raconté, là en prison. Donc à Lyon en plus, chez nous à Corba. Ben, ça l'a pas empêché de continuer et d'entreprendre encore et toujours. Il a des machines, il a des compléments alimentaires, il a des restos. Il est dans les couleurs pour cheveux, il est dans le monde entier, il a des business de partout, c'est incroyable ce qu'il me racontait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc là, on est pour faire une vidéo. Donc il y a l'équipe de Oz là qui sont là. Donc là je vais me positionner, je vous explique tout à l'heure. Ouh, voilà, challenge terminé. Pour connaître le résultat, faudra aller voir sur la chaîne. C'est pas bien. Faudra aller voir, faudra aller voir. C'est pas bien. La vidéo, vous savez quand est-ce qu'elle va sortir à peu près? Faut demander ça au mec. Yes. Bon, de toute façon, abonnez-vous à la chaîne, le lien est en barre d'infos. Et comme ça, vous ne louperez pas tous les challenges et la prochaine série. Exactement. Qui sera autour du fitness, du sport et de la musique, c'est ça? C'est ça. Voilà, j'ai bien révisé. Et bien sûr, tout ça encadré par Monsieur Eric Favre. Ils ont bien bossé les gars. Hein. Mais Alex, quand même, l'expérience, hein, ça paye quand même. Hein. Ah, ça fait plaisir, merci, merci. Et donc là, on va enchaîner séance pec, une petite séance type pec, libre, beaucoup de libre. Et on terminera au pouls du vis-à-vis. En tout cas, si vous connaissez le 42, Rouen, le Coteau, venez faire un tour ici, ça vaut le coup. J'ai mis la petite doudoune sans manche fitness boutique. Pas mal. Je suis en direct du village de Marc, donc à côté de l'entrepôt. J'ai 2-3 achats à faire, des baskets notamment. Capucine aussi, je crois, une petite paire, on va voir si je les trouve. Bon, je suis rentré du shopping. Donc là, je suis au centre de rééducation, je vais aller voir mon père. Juste avant, je vous montre ce que j'ai acheté. Paire de NB. Plutôt sympathique, j'aime bien. J'aime bien, on est sur du vintage, sur du rétro. Voilà, celle-là, pas mal, un peu extravagante, mais portée, c'est plutôt pas mal. J'ai une petite paire à mon père aussi, un petit sac et puis un petit polo Mugabey, Raforel. Il est là! Toujours solide. Voilà, je vais chercher Victoria juste à côté, parce que ma mère, elle habite juste à côté, et on rentre à la maison. Bonjour, mademoiselle! Bonjour, mademoiselle! Tu vois un cadeau. Ah bon? Et pourquoi? Un cadeau pour faire des bulles dans le bain. Ah bon? On n'a pas voulu faire sa douche. Hein. Et pourquoi? Hein? Je vais te montrer tout de suite. Oh, on rentre à la maison. T'es plus contente que ce matin. Hein. Ah, j'ai mal aux yeux. Mais il faut pas regarder la lumière. Regarde en bas. Regarde l'écran. Non, là, l'écran où il y a mon doigt. C'est bon? Oui. Tu vois? Il faut pas regarder la lumière. Jamais. On va voir qui là. Et qui encore? Athènes. Eh oui. Maman, elle a déjà couché Athènes.
On le verra demain matin. Tu peux mettre des boucles d'oreilles? Oui. À demain matin, mon bébé. Bonjour, monsieur. Et voilà. Le matin, pas contente. Le soir, pas contente. C'est quand que t'es contente, toi? Hmm? C'est quand? Tu sais, allez, lève le pied, s'il te plaît, Victoria. Allez, l'autre aussi. Allez, tu pleures autant que tu veux, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Si ça t'amuse, ne pleurer pour rien. Allez, elle se regarde aussi souvent pleurer. Oh, t'as peur pour papa? Oui. Oh, bah oui, moi j'adore le fruit. C'est mon steak, c'est mon piqué. Ah oui? Ouais. Mais c'est... Papi! Comme c'est tout doux. Doux. Allez, on va manger. Pas de bonne soupe de pois cassé de maman. Assieds-toi là, viens là. Samedi matin, 7h30, j'ai conduite moto de 8 à 10. Alors s'il y a bien un truc où je me fais chier, c'est ça. Le plateau là en conduite moto, faire mes slaloms et tout. Je sais pas si ça va être ça aujourd'hui. Il m'avait dit qu'il n'y avait plus besoin. J'avais fait 2 heures la dernière fois. J'étais surdoué de la moto, quoi. Voilà, quoi. J'ai toujours fait de la moto, quoi. Allez, est-ce que je suis beau gosse? Bah ouais. Je me trouve plutôt max, là. Canon. On est un Cessiné. Le mec qui tient cette auto-école. Bon, déjà, je pense que c'est la moins chère du coin. Et il est grave arrangeant. Il est cool. J'ai appelé hier soir. Enfin, hier en fin de journée. Il m'a dit, bah, demain à 8h-10h. Ok. Voilà, mais faut que vous m'aidiez. Je sais pas quoi prendre après comme moto. Donc, j'ai plusieurs options. Il y a plusieurs styles de moto que j'aime bien. Bon, pour commencer, hyper motard. Ducati, genre 821 ou 859. Enfin, je crois que c'est ça. Soit je pars là-dessus, soit je pars sur un trail, genre GS, BM, ou alors Africa Twin ou... Même la Yamaha, là, j'aime bien. En fait, c'est surtout sur ça que je me tape. Soit hyper motard, soit trail. Après, roadster, sportive, ça, j'aime bien. Mais je m'amuse moins avec. Dites-moi, vous, vous seriez parti sur quoi? Sachant que, normalement, je suis bridé. Bon, ça y est, terminé. Là, je rentre. Il y a Capucine qui va partir bruncher avec ses copines et sa sœur. Donc, je vais garder les enfants. Je pense qu'on va aller manger dehors aussi. Là, c'est cool, il m'a dit, ouais, c'est bon, pas besoin de refaire d'heure. Tu m'appelles autour du 20, j'aurai les dates pour novembre et comme ça, je te donne une date directe. Au moins, il n'y a pas des heures à faire, il rajoute pas des trucs et tout. Franchement, c'est relou déjà. Et je sais pas si vous avez remarqué là, mais depuis le début du vlog, je me suis pas entraîné une seule fois. Manque de temps. Hier, au tournage, en fait, je voulais m'entraîner. Je pensais m'entraîner. Il y avait le tournage, il y avait un challenge, un défi. Sauf que, vous irez voir pourquoi je me suis pas entraîné. Enfin, voilà, je les ai coachés en fait. Je devais les arracher et c'était mieux dans la vidéo si je m'entraînais pas. Bah, aujourd'hui, là, j'ai fait mes 2 heures de conduite. Ensuite, j'ai les enfants. Donc, s'il y en a que un, je peux m'entraîner. Les deux, je peux pas. Et le jour d'avant, j'ai eu le rendez-vous. Interview fitness boutique, après aller acheter tous les meubles, aller acheter tout l'électroménager et récupérer les enfants, j'ai pas le temps. Donc là, soit ce soir, quand Capucine elle rentre, je vais me faire un entraînement, soit au pire, demain, obligé. Ah, la dernière fois que je me suis entraîné, c'était lundi je crois, on est samedi, je peux entraîner de la semaine. Le mercredi, c'était rangement télé-réalité et tout, le mardi c'était le dernier jour, si, peut-être le mardi matin, il me semble. Peut-être le mardi matin, j'ai fait une petite séance, ouais. Voilà ce que je suis venu prendre, ça. Ça, c'est un délice. On dirait que de Saint-Bruno à Grenoble, quartier Saint-Bruno. Pour nous, pour Capucine, elle adore. Pour ma grand-mère, ma mère, je prie pour tout le monde. Et on y va. On va où? À la table des pirates. À la table des pirates. Eh oui. Athènes aussi. Athènes, il va faire le fou. Je l'ai jamais vu là-bas, lui. Maman, elle est allée bruncher avec ses copines et nous on va se régaler ici. Tu voudrais quoi toi? Moi je voudrais des petites pâtes multicolores. Des petites pâtes multicolores? Ah ça je pense pas qu'il y ait ça. Hein. Là c'est quelque chose. Dire à la date des pirates. Tu vas lui dire toi? Oui. D'accord, ok, on va voir ce qu'elle va dire. Passe sanitaire obligatoire. N'oubliez pas, il y a toujours une solution à tout. T'es bien renseigné toi. Tu veux quoi? Comme la petite fille. Tu veux un jus de fruits comme la petite fille avec une paille? Oui. Et Athènes? Oui. Qu'est-ce qu'il fait Athènes? Des bêtises? Qu'est-ce qu'il fait? Hé,
Oh. On se régale avec des petites pâtes, des courgettes, des petites pâtes. Elles sont bonnes? Petit pot pour Athènes avec un peu de pain. Mmh, c'est bon ça. Une salade pour papa. Oui, c'est bien mon grand, ça y est. Vous avez dit qu'il marchait. Athènes, il est fan de sa sœur. Bravo ma poupée. Allez viens, viens là. Il la suit de partout. Non, c'est dans l'autre sens le toboggan. Viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer, viens avec moi. T'inquiète pas, on va pas partir. Oui, super. Attends, viens, on fait ensemble. On fait tous les trois, ok? Oh, oh. Où tu vas? Non, l'autre côté, j'ai dit. Regarde, non, attention. Allez, montre-moi. Il s'est fait, il a eu peur. D'abord les pieds, voilà, d'abord les pieds. Pousse le pas, hein, Vivi, pousse le pas. Laisse le faire. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Bah, ça y est, retour à la maison. Ça fatigue de faire le kamikaze. Et aussi, ça donne faim. On se régale. Tu m'en donnes? J'en ai déjà goûté deux. J'en ai déjà goûté deux fois? Oui. Et tu me fais goûter une troisième fois? Ah, c'est gentil ça. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup là, non? Je vais avoir mal au ventre. Ah bon? Et toi non? Non. Donc là, la MIF, on se retrouve dans ma salle de sport qui ne sert pas à faire du sport. Ça sert qu'à m'entreposer des colis, des cartons, des... tout ça, c'est pour équiper mon appart là-bas. Et là... le quad que je vais devoir monter maintenant. Et regardez pourquoi je vais fermer la salle de sport. Donc, c'est kiffant de fou. Hein. J'ai fait le ménage à fond avant de partir, donc il y a un mois. Je ne me suis pas entraîné depuis ici. Je me suis entraîné que là-bas, dans la Drôme pour la télé-réalité. Regardez, là, avec le vent, toutes les feuilles qui rentrent. J'aurais dû avoir déjà le store depuis début août, mais je sais pas, il y a eu du retard, il y a eu un problème. Faut que je rappelle le gars. Si j'avais eu le store là, elle aurait été nickel, la salle à mon retour. Là, je suis obligé de passer le souffleur toutes les semaines. Ok, je le dis, et... à vos mains. 3, 2, 1, partez. Voilà, championne. Voilà, championne. Vas-y, avance et va sur le côté, tourne. Comme ça, tu fais demi-tour. Tourne, tourne. Stop, marche arrière. On tourne le guidon. Tourne, tourne. Tourne le guidon, tourne. Voilà, comme ça. Ah, tourne, il faut le... D'accord. Tu veux que je fasse quoi? Alors, c'est pas Aroma, c'est Avomark. Avoma. 3, 2, 1, parti. Et on fait le tour de l'arbre. Moi, je vais faire le tour de l'arbre. Ouais. Ouais. Oui, Avomark, il faut que je fasse ça toutes les 15 secondes. Avomark. Prêt? Go! Partez! Tourne bien, tourne bien. Génial! Je suis là, tu vas me rentrer dedans, tu vas me rentrer dedans! Tu vas... Ça te fait rigoler, hein? En tout cas, on l'a bien décoré, je trouve. Hein. Wouah! Toi aussi, t'as une petite voiture? Ah bon? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est rien là-bas qui faisait la tête. Elle a fait deux tours de quad. Et après, madame voulait qu'on fasse du trampoline, mais papa, il doit s'entraîner un petit peu. Du coup, elle joue aux quilles. Bon, elle pense que c'est des quiches, elle. Et Athènes? Athènes, il a fait un peu de voiture. Athènes, il veut jouer dans les escaliers. Voilà, c'est son jeu. Mais je veux mes jeux. Mais tu peux lui prêter. Bah, t'as assez de jouets là-bas, Athènes. Mais tu sais, c'est pas marrant de jouer toute seule. Hein. Et papa, il va se faire une petite séance au milieu des feuilles. Push aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas la motive. Mais il le faut là. Oh, regardez ce qui me ruine. Je sais pas si vous voyez la cloque que j'ai là, dans la main. Ça appuie dessus là. C'est Foued et Sbiri. Donc il est venu faire du magnétisme, de l'hypnose, de la survie pendant la télé-réalité.
pour les candidats. Et à un moment donné, je vois, il fait un truc. Ils sont tous là, il leur met la main. Et je dis, ah, ça brûle et tout. Je dis, allez, c'est quoi ce cinéma? À mon avis, il leur a fait un coup, un petit tour mental. Ils ont l'impression que ça les brûle. Donc je me dis, je vais le faire, je vais voir. Ils étaient tous là. Et je me dis, au pire, ça me brûle. C'est mental, c'est... Il, à un moment donné, il me fait un truc, j'ai l'impression que ça me brûle, mais ça va pas me brûler. Je laisse la main. Il disait, ouais, celui qui reste plus longtemps. En fait, bah, il m'a brûlé à un moment donné. Bah, c'était complètement brûlé. Il enlève sa main. Et je vois que ça avait quand même l'air d'avoir brûlé pour de vrai. Et au final, le lendemain, j'avais une cloque. Laisse tomber. Et là, bah, ça a du mal à partir parce que... J'ai allé, c'est quoi ce cinéma? Putain, je parle de ça pendant une heure comme si c'était une grosse blessure. C'est pas pratique, et voilà. Ça n'empêche pas de m'entraîner non plus. Anglais? Est-ce que je parle en anglais? Ouais. Un petit peu, ouais. Tu parles comment en anglais? Comment tu veux que je te dise quoi? Un film. Quoi? Un film. C'est quoi ça? Ça, c'est en anglais. Ah, tu parles anglais, toi? Oui. Ah, d'accord, tu peux me parler en anglais? Non, je veux pas le que tu me dis. Parce que ça me fatigue, moi, je suis en train de faire. Ça me fatigue. Ça te fatigue de parler anglais? Oui. Ah, d'accord. Mais je peux me fatiguer. Faire. Yes. Ah! How are you, Victoria? Tu sais pas parler. Are you happy about your new present? Your... C'est en anglais? Yes, your coat. Est-ce que c'est en anglais? Yes, it's in English. With the... The accent of the Massachusetts. Tu te moques de moi? I love you. Oh, I love you too. I love. Des bons choux-fleurs, très bien cuisinés par madame. Des mouchoirs. On mange des mouchoirs. Mais on le retrouve ici. Comment il est? Bien. Ça va et toi? Oh, on a Hulk maintenant. On a bien dansé, on a bien dansé. 3, 2, 1, c'est parti! Bon mini PJ. C'est le neveu de PJ. L'iPhone il est là, on lui a mis un vieux disque dur dans le colis avec écrit garde la pêche enculé. On verra sa réaction. Vas-y. À toutes. Bisous. Yo, mon téléphone. Il a pas pu le faire. Ah, j'ai pas lu. Il y avait un papier. Garde la pêche, enculé. Je voulais filmer le avant. T'es en train d'enlever ton pull. Bon, au moins, la coupe, elle sera bien. Voilà le avant. Les cheveux, la barbe, on verra le après. Regardez le coiffeur. Qu'est-ce que ça donne? Ça voilà, progresse. Tourne un peu. Allez. Magnifique. Et voilà. Parfait. Voilà. Prêt pour redraguer les petites vieilles de roche pleine. Ah bon? Vous allez me briquer. J'arrive chez ma mère. Bonjour. Bonjour. Je lui ai dit qu'elle aurait le droit de prendre les bulles, mais qu'elle jouerait chez elle dans son bain si elle pleurait pas. Ça va? Et toi? En forme? Ça va, en forme. Oh, 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 oh. J'ai quelque chose. Regardez-moi ça. C'est qui ce sauvage? C'est moi. La SSR. T'as quelque chose? Montre-moi. Oh! Parce que l'eau, j'ai renversé. Oui, dans le bain, hier même.
Parce que j'en avais plus. Oui, ce soir, dans le bain, si tu veux. Tu pourras le faire. Tu veux le faire dans le bain? Dessus, il y a une pomme dessus. Réponds-moi pas, hein, surtout. Quoi? Est-ce que tu veux le faire dans le bain? Oui. Et Jasmine, elle est où? Elle fait des devoirs. Elle fait des devoirs. Fais bien tes devoirs, hein. Parce que ce week-end, tu peux pas faire de devoirs, hein. Il n'y a pas de devoir ce week-end, hein. Pourquoi il n'y a pas de devoir ce week-end? Parce que je veux faire Castérix. Ah! Ah bah oui, il n'y a plus trop d'hélium dedans. Est-ce que tu veux voir la surprise que j'ai? Oui! C'est une dame qui m'a envoyé au travail de papa. C'est elle qui le fait. Je te montre les deux et tu me dis celui que tu veux. Il y en a un pour toi et un pour Athènes. Oui. D'accord? Oui. Tu préfères quelle couleur? Le rose. J'en étais sûr. Ça, c'est un cahier en tissu avec des pages à colorier. Ah, bon, j'ai déjà essayé moi là pour voir si ça marchait. C'est quoi? Monster! C'est quoi dedans? Les feutres! Comme ça, tu peux colorier ça. Oui. Et quand t'as fini de colorier, on le met à la machine à laver et il ressort. On peut recommencer. Il ressort tout propre. Tu comprends? Oui. T'es contente? Je veux ça? Bien sûr. Ça marche bien. Quand même, j'ai fait un tout petit bout, mais je vais décaler. Waouh, mais tu dépasses pas en plus, toi. Colorie bien. Je dépasse pas. Waouh, un petit peu, c'est pas grave, ça arrive. Waouh, mais tu dépasses pas en plus, toi. Non, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Pas grave, c'est de bien. Toute façon, rien n'est grave. Rien n'est grave. Bonjour. Oh oui, ma jolie. Oh oui. Oh oui, ma jolie. Bonjour. Oh. J'ai vu qu'elle t'a répondu, vous, là, hein. Ça va, Bonnie? Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça veut montrer à maman? Oui, mais maman, elle n'est pas encore descendue. Attends un peu. Est-ce que maman, elle a fait manger cette scène? Chouka. Qu'est-ce que c'est, là? Ouais. Ouh, la motivation. 8h du soir. Là, vraiment, la dernière chose que j'ai envie de faire... C'est de m'entraîner. Bon, les mifs, c'était pas l'essence de ma vie, mais elle est faite. C'est le principal. À manger. On va lire une petite histoire, ma poupée. Oui, l'anniversaire mouvementé. Quoi? L'anniversaire mouvementé. Anniversaire mouvementé. Et il est tout content, mon petit garçon. Oui, tu viens avec papa à la banque. Allez. Donc, ce matin, direction la banque avec Athènes, parce que Victoria va pas à l'école. Elle a fait une insomnie. À partir de 11h du soir, elle dormait plus. Et moi, j'étais avec elle. Je suis allé dans son lit parce qu'elle était pas bien. Je sais pas pourquoi. On va faire la PV là. Hein? Ouais, j'avais pour 5 minutes, j'ai pas le choix, ça fait 15 minutes que je tourne. Merci, chef. J'ai garé ma voiture au pif, il m'a dit vous mettre un PV, je suis sur un trottoir, ça fait 15 minutes que je tourne. Voilà, elle a rien dormi de la nuit. Moi j'étais avec Victoria, Capucine elle était avec lui, qui pareil, de 3h à 4h30, il a pas voulu dormir. Comme vous pouvez le voir, on a bien récupéré. Faux! Et lui il est en pleine forme, hein. Et ça fatigue la matinée avec papa? Ça fatigue d'aller à la banque? De faire le fou avec la banquière? Ouais, du coup, en direct du bureau. Donc, bah, Jessime, elle a fait ce qu'il pouvait, mais on a réussi avec un logiciel à récupérer des petits bouts de vidéo. Donc, je suis en train de voir là si j'envoie la carte SD à Paris avec ceux qui ont tourné la télé-réalité, si peut-être ils peuvent faire quelque chose. Mais je suis vraiment dégoûté si j'ai perdu ces plans. Et c'est triste. Non, c'est relou, franchement. Mais surtout, tu sais qu'il y a les plans dessus, mais ils sont invisibles. Ah, c'est ça met le seum. Ou alors, genre, ça les lit et on entend trois fois la même phrase qui bug. T'as 10 secondes sur 3 minutes de vidéo, c'est encore plus frustrant. Enfin, bref, tu vas t'entraîner ou pas? Allô? Allô, je t'entends plus là. Ah, je vais y aller. C'est quoi ça? Ah, c'est la veste de la réalité, faut non, les manger. Non, mais ils font Beauty et Wolf, je voulais pas, tu vois, qu'ils soient trop tentés. Donc, t'essayes de vraiment tout manger. Je les preuve, comme ça, il y a plus de suspect. Il y en a plus. Et moi, c'est parti pour l'entraînement. Ah, attends, il m'a répondu là. Mais je passerai par une société de récupération de données. C'est ma première idée vu la vidéo. Ok, bon, on va croiser les doigts. En tout cas, si vous voyez ce vlog avec un vrai début, c'est que j'ai récupéré les plans. Ça congestionne!
J'ai mal à l'hanche, comme je vous expliquais. Donc je vais reposer un petit peu les jambes. Et donc aujourd'hui, normalement, c'était jambes-épaules. J'en ai profité pour faire deux fois plus les épaules. Et là, j'ai vraiment faim. J'ai vraiment envie de reprendre sale la muscu. Rejoignez-moi dans le groupe privé Army Alex. Tous ceux qui font mon programme, tous ceux qui font le TWM Alex. Tous les jours, on va mettre des vidéos, des astuces, des conseils, mes repas. Et vous aussi, je vais vous partager un maximum vos vidéos, qu'on se motive entre nous, qu'on partage des recettes. Le but, c'est vraiment 2022, on démonte tout. Et l'autre jour, je vous montrais ma main là. Donc, je vous montrais ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est creusé, hein, ça va. Fouet de le sorcier. Yeah. Avec sa simple main. Hey, cherchez même pas. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais c'était quoi la lue qu'il avait? C'est quoi? Il avait une bague, il avait une montre. Il n'y avait rien. On a tout testé, on a tout regardé. Je lui ai amené la lue. C'est moi qui l'ai mouillé, c'est moi qui l'ai mis dans ma main. Il n'avait rien du tout. Il a mis sa main comme ça au-dessus de moi. Ça m'a brûlé, j'avais une cloque comme ça le lendemain. Incroyable. Ça, c'est rien du tout comparé à l'hypnose, tous les talents qu'il a, préparation mentale, etc. Monsieur, tu es des sbires. Ich! Jessim? Ouais. On t'a pas entendu? Ich fais des impôts! Voilà, ça c'était quand il aura fait la survie, télé-réalité. Il n'y en a pas un qui faisait mal. Hein. Bah, la mif, là, je vais récupérer Athènes. Oh là là, on fait que résoudre des problèmes toute la journée. Vous imaginez pas le nombre de galères qu'on a là, c'est incroyable. Normal, on était absent pendant un mois. C'est juste trop de résoudre des problèmes. Ça veut dire que t'avances pas bien sur tes projets, etc. Il y a plein de trucs. Le food truck, pour l'instant, il est au point zéro parce que on n'a pas 5 minutes pour s'en occuper. Plein d'autres projets aussi. Franchement, ce serait bien que les journées elles fassent au moins 40 heures. Journée de 40 heures, ok. Là, on commence à pouvoir faire des trucs. Que si la Terre pouvait tourner un peu moins vite, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Merci de prendre en considération cette requête. Et le grand garçon, il a passé une bonne journée. Il était tout content. Ah, faut le voir quand je le récupère, il me saute dessus. Hein? Bah oui. Bah oui. Et alors, il y a qui? Qui c'est qui? Oh là là. Et oui, et mamie et nono, les deux. M'en fous. Tous les deux. Il y a une grosse surprise ce week-end. Et quoi? Déjà, tu vas prendre le train. Ouais. T'as jamais pris le train? Non. On va aller avec le train, avec Jasmine, maman et papa. Ouais. Au parc Astérix. Il n'y a que des manèges. Pour les enfants, des jeux. On va dormir à l'hôtel. On va tous être dans la même chambre. Il y aura un petit lit pour toi, un petit lit pour Jasmine, un grand lit pour papa et maman. Ouais. C'est pour l'anniversaire de Jasmine. On est sage, hein? Il faudra être gentil avec Jasmine, c'est son anniversaire. Hein. C'est tout pour elle qu'on fait. Toi aussi, tu pourras faire des manèges, mais d'abord, c'est pour Jasmine, ok? Oui. On dirait que de la salle. Ah, vous avez vu comment c'était pas pratique l'autre soir. Donc là, je me suis dit, je vais faire une séance, c'est énervé. Je suis dans la salle, je vais tout démonter. Things are getting intense, using all my sixth sense. Thought you had us figured, I can't use me at your expense. They be on that pretense, we be on some defense. Left you in the past tense. Voilà, je suis arrivé au centre de rééducation, je vais voir mon père. J'ai fait une bonne séance d'eau. Donc pour tous ceux qui suivent le TWM, qui peuvent se demander pourquoi j'ai fait certains exos, c'est parce que tout ce qui est en appui sur les jambes, là, vu que j'ai mal à la hanche et que je veux vraiment récupérer à fond, tout ce qui me fait un peu mal, j'évite. Donc je fais pas tout ce qui est rowing, T-bar, malheureusement, c'est quand même la base, c'est quand même les trucs qu'on charge le plus. Mais je fais des exercices surtout de tirage vertical. Donc je fais pas les jambes pour l'instant et je fais pas les exercices avec des forts appuis où on est le buste fléchi en avant. La shakshuka là que vous avez vu hier, les poivrons, les oignons, tout ça, hop, en version mixée. T'as repris la muscu aujourd'hui? Un petit peu. Ouais. Ça va revenir. Regarde Vicky. Direction l'école, madame va faire du vélo aujourd'hui. Bon la mif, après avoir déposé Victoria, je suis parti faire les courses à Pika pour pas mal de simplicité, pour aider à la diète aussi. Il y a énormément de légumes surgelés surtout, parce que bah, ils sont bons, on a pas mal des bio. J'achète par des petites soupes comme ça, Victoria Elkif, voilà, tu sais, c'est déjà tout prédécoupé. Par exemple les brocolis, etc. C'est des trucs en plus qu'on n'a pas dans le jardin. Là on rentre dans une période où à part des courges, on n'a pas grand chose dans le jardin parce que je suis pas planté. C'est plus mon père qui s'en occupe. Oh bien sûr, on se fait un peu plaisir aussi hein. T'es sur un max frérot. Là c'est bon parce qu'on est dans la salle, je peux lâcher les poids d'un coup. Et ce qui me faisait mal, notamment quand on s'entraînait à la télé-réalité, c'était de devoir les ramener aux haltères réglables. Tu peux pas les lâcher, sinon ils se cassent. Et en fait là, ça me faisait mal à l'hanche.
king of the palace. Rubber like Malcolm, but the fit. Bon, on attend encore les bancs inclinés. En attendant, toujours la technique du bled. On part en position neutre. Vous levez, mais j'ai enlevé les gants. J'ai enlevé 45. Les gants parce que PJ il est arrivé. Ah, t'avais les gants tout à l'heure? Ouais, mais pour la cloque. Ah, t'es sérieux, t'avais des gants? Ah, il était beau, hein. De ces petits gants de fragilus, là. Bah, moi, 50 kilos sur la cloque, ça fait. Quand c'est 45, ça va. Ouais. So much going on in this world we call our home. They've been looting and protesting. Ah, tu fais en bicette. Incliné, décliné. Bicette décliné, décliné. T'as pris ou pas? Ouais, je pense que j'ai pris là. Regardez ça. J'ai pris du téton. Je ne voulais pas. Et même quand j'engueule mes bras, à un moment donné, elle répond plus. Glucha. Frenzy, you see the riots. Bon, on s'est fait acheter pas mal de sapes là par une boutique. Donc je vais devoir charger tous les cartons que vous avez là avec vis. Et je dois aller chercher les enfants à l'école, il y en a aussi là, certains. C'est parti pour le moment manutention. Jessive, j'ai entendu dire que t'étais un homme fort, fier, fort et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Fais pas genre, t'as pas entendu. J'ai besoin d'un homme fort. Et c'est reparti, le bricolore. Là, je suis plein de chez plein. En même temps, je vais laisser moi le range en révision. Au voisin, on a dit Carlos, et ils m'ont prêté le camion, encore une fois, gentiment. Bah, j'ai donné à manger à Athènes, la capucine, elle va le coucher. Et moi, je décharge le camion. Je vais charger aussi tout l'électroménager pour demain. Je vais devoir le ramener à l'appart là-bas. Et en même temps, dès que j'ai déchargé, on recharge avec les sacs de gravat pour aller à la déchetterie. Motivation. Ça y est, c'est terminé. Camion rempli avec tout l'électroménager. J'ai rentré tous les cartons. Demain, je les dépose. Je dépose l'électroménager. Non, demain, je les recharge dans un autre camion. Je dépose l'électroménager. Je vais à la déchetterie. Je vais chercher encore un frigo et un four gazinière. Et on sera bon. Et après, direction le parc Astérix pour un anniversaire. L'anniversaire de ma petite sœur, je vais vous faire ça. On va y aller à 4 avec Capucine, Victoria, Jasmine, ma petite sœur et moi. Bon la mif, cette matinée, c'était nul, c'était éclaté, j'ai pas filmé. J'ai fait que des allers-retours entre l'entrepôt, Castor, déchetterie, Ikea, redéchetterie, machin électro-dépôt. On a tout chargé, ça y est, il n'y a plus aucun électroménager chez moi. J'ai tout amené là-bas, j'ai tout vidé l'appart avec Issam et Ibrahim. Et là, je vais faire ma petite valise, direction le parc Astérix. Elle est excitée de fou, elle est trop contente. J'espère qu'elle va kiffer. Bon, le train. On va où? Parc Astérix, mais d'abord on va au TGV. On va où? Parc Astérix. Où? Parc Astérix. 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 Le parc Astérix. Et c'est le petit déjeuner. Premier jour au parc Astérix aujourd'hui pour l'anniversaire de madame. Je vais acheter des kawaii à 15 balles. Je suis trompé, même avec le kawaii. Je dirais plus que je vais aller faire pipi, je vais dire quoi alors? On va aller aux toilettes. D'accord. Et là, on va faire quoi? Un car qu'on va faire. Un manège. Oh là là. On va faire ça. C'est parti.